Je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans et je suis en troisième année à la manufacture de l'acteur. J'ai découvert la manufacture de l'acteur grâce à Juliette Chouraki, qui donnait des cours d'improvisation à l'atelier off. Pour moi, la manufacture, c'est une école assez familiale et très pluridisciplinaire qui a à cœur de présenter de nombreux enseignements différents et de nombreuses visions différentes du théâtre. Et là, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est la comédie musicale en deuxième année, La Petite Boutique des Horreurs, où j'incarnais la plante carnivore. J'ai vraiment bien aimé aussi participer au spectacle Entrer et fermer la porte, mis en scène par Rémi Chenille, que j'assistais à la mise en scène d'ailleurs. Le concept du spectacle, c'est un casting en fait, où un réalisateur reçoit 11 jeunes femmes qui vont se succéder sur scène. Donc c'était un format un peu différent de tout ce qu'on avait pu faire auparavant, qui était plutôt des pièces chorales. J'attends de savoir ce qu'on va jouer. Non, j'ai pas d'attente particulière, j'ai juste hâte de vivre l'expérience, d'aller tracter, de vivre cette expérience tous les 10. Je sais que ça va être fatigant, mais aussi très stimulant, donc non, pas d'inquiétude, j'ai juste hâte. Je postule à pas mal de courts-métrages étudiants, je fais des castings, mais pour l'instant, pas de projet spécifique. Oui, j'ai écrit une pièce il y a un an et demi que je retravaille encore. Et j'ai fait un stage d'écriture de plateau aussi cet été, donc ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment une super école et je vous la recommande vivement si vous hésitez encore entre plusieurs établissements. Parce que vraiment le côté pluridisciplinaire, d'avoir des cours de danse, moi ça me faisait peur au début la danse, mais c'est vraiment libérateur. Pour tous les cours de chant aussi, de clown, enfin on fait tellement de choses différentes que ça peut que être bénéfique.